Okay, I apologize. I'm just at the very end of a cold, so perhaps I will not be as clear as I might be, but I will try. writing around the turn of the millennium, Strabo asserted that Corinth was colonized by Caesar, quote, with people that belonged, for the most part, to the freedman class. For various reasons, not least because Strabo actually visited Corinth personally, perhaps a generation or two after the founding of the colony, this claim deserves to be taken very seriously and is probably the most important piece of external evidence for the social makeup of the colony's elite. As I and others have argued elsewhere, one can safely dismiss claims that are at odds with Strabo's statement. For example, that veterans formed any meaningful portion of the settlers. In any case, Strabo's contention is more than amply supported by the primary evidence from Corinth itself, especially the onomastic formulae of magistrates as they appear on the Duovir coinage and in honorific inscriptions. Other classes of inscriptions, for example, funerary monuments, may or may not represent a somewhat different social stratum, but nevertheless, they present essentially the same picture. In broad outline, a very significant portion of Roman Corinth's elite were freedmen, or in subsequent generations, the descendants of freedmen. The same seems true of the next discernible socioeconomic class that is slightly below those who are holding the top magistrates. The top magistracies. Now, it is well known that throughout the Roman world, freedmen themselves were, generally speaking, disbarred from holding high public office and magistracies. Even if this prohibition often had, and it's really sort of prohibition, often had no legal basis, it was strongly enforced socially. Nevertheless, it did not apply, certainly, to the descendants, with the same force to the descendants of freedmen. It is equally well known that in Corinth, as in a number of other Caesarian colonies, there seems to have been no such prohibition at all. Indeed, freedmen populated the ranks of Corinth's magistracies from the very beginning and are found even among the colony's earliest duoviers. An important point here is that the phenomenon of freedmen holding magistracies at Corinth is not confined solely to the very earliest years of the colony, but continued at least through the Augustan period, through the end of the Augustan period. Certainly, the practice did become less pronounced as the empire took hold and had largely disappeared by the early years of the first century AD. But the important point is that the freedmen magistrates in Corinth were not only the original settlers. Freedmen continued to arrive and continued to hold high office for several generations after the founding of the colony. That freedmen eventually ceased to hold high office at Corinth is not surprising, and I don't think it necessarily indicates a strong shift in attitude. In time, as in most other places in the Roman world, the elite at Corinth inherited their status. Fathers grew old, sons took their places, effectively shutting out newcomers, at least on any sort of large scale. Before the effect, this effect of inherited power and the closing of the elite, the picture is one of new families, primarily freedmen-led families, constantly appearing, although there are some discernible patterns. Before discussing those patterns, let me give a very brief overview of what I take to be the purpose of the colony at Corinth and the role that freedmen played in the colony. I think this will help explain some of the patterns that we can see in the early magistrates and may perhaps also shed some light on the extent
to which Corinth's freedmen magistrates illustrate the workings of upward social mobility as they move from servile status to freedman to office holder. Now, I have argued elsewhere that the Roman colony at Corinth was founded primarily for commercial reasons. What I mean by that is that it was founded to reestablish and to maintain important trade routes and to facilitate the transfer of goods and wealth westward from the rich Greek East. Now, to be fair, there is a small amount of literary evidence that suggests another purpose for the foundation of the colony. For example, the settlement of veterans. But, as I said, these testimonia do not accord with the primary evidence from Corinth itself and can be safely dismissed for other reasons as well. I don't see any reason, therefore, to significantly modify my earlier views that Corinth was primarily a commercial foundation. Once accepting this conclusion, I take the major questions to be what role the freedmen played in the colony and why they, in particular, were so dominant socially and politically. Answering those questions also entails grappling with the question of whether Corinth's freedmen, by virtue of their apparent advance up the social hierarchy, are good evidence for the possibility of upward social mobility in Roman Greece. In an often cited and rightly praised study, Tony Spofforth demonstrated that a large number of the freedmen of the early colony were associated with powerful and influential Romans who were connected with the East, whether as military figures, businessmen, or in some other capacity. The clear picture that emerges from Spofforth's study is that one is one of Corinth that was dominated by the freedmen of powerful Roman interests. My contention is that the most important feature of this situation is not that freedmen were becoming magistrates and thus showing evidence for upward social mobility, but that powerful outsiders were able to use their freedmen to control the political structure of Corinth and thereby to control the trade and wealth that flowed through the city. In my interpretation, Corinth is not a city that is unusually free from hierarchy or is unusually free from impediments to social advancement, regardless of origins. On the contrary, in my view, Corinth, like nearly everywhere else in the Roman world, had a society and a political structure with very tight controls on who gained power. The difference is that at Corinth, unlike in most other places, the power did not fall directly to an established elite or an old aristocracy, but instead was usually exercised more indirectly through freedmen. Through the freedmen of the, in fact, established elite who are based elsewhere. As I mentioned, the normal impediments to freedmen holding office were usually not legal but social, at least in the late Republic. In Corinth, such social prohibitions did not apply because those who were powerful in the wider region had vested interests in their freedmen holding office at Corinth. They thus provided that crucial support and backing that would have been absent in other circumstances. The main point, I think, to take away from this analysis is that Corinth was not a colony in which men could transcend their background and rise to a higher station in life, at least, I think, not in any sense that suggests real social mobility. I think that modern scholars often view the fact that these men were former slaves as their main defining characteristic. In fairness, it's not solely modern scholars. The ancients sometimes did so as well, at least when it suited a particular point to be made. But in fact, I think this is one of the least interesting things about these men. The men who governed the colony at Corinth in its early years and formed the local elite there
were men who were bilingual, were equally at home in both the Greek and Roman worlds, who were involved as middlemen in East-West trade, and they conducted business at the intersection of different societies, and they enjoyed the prerogatives of being a Greek in the Greek East, while at the same time being deeply embedded in powerful Roman families. That they had once been slaves within these same Roman families is almost beside the point. Essentially, the only sense in which they were not already wealthy, successful, and powerful men is when they are compared with those above them, whose power and status was extra-regional and who would have been among the elite anywhere in the Roman world. Now, as I mentioned a moment ago, for the first few generations of the colony, new freedmen families continued to appear. Many of these families may have been connected to one another in that they were the same, in that they were freedmen of the same Roman families. For example, many of the Gaii Iulii and Marci Antonii of the early colony were likely freedmen of Caesar and Mark Antony, respectively, but they were not otherwise related. By the end of the first century BC, the descendants of those freedmen who had held earlier magistracies came of age and began to hold magistracies themselves. At this point, the colony's elite becomes self-perpetuating and no longer needed this fresh influx of members to sustain itself. And indeed, I think such an influx would have been actively discouraged as those families already in power sought to maintain their own status. An example that illustrates these various strands is the case of the various Gaii Heii at Corinth. The earliest one, Gaius Heius Pamphilos, was duovir three times, once each in the 30s, the 20s, and the teens BC. In the early 20s BC, a Gaius Heius Pollio became duovir, and then in circa 10 BC, another, Gaius Heius Aristo, also became duovir. Now, none of these three, Pamphilus, Pollio, and Aristo, seem to be related unless laterally, but all are most likely freedmen of the same family. The situation has changed somewhat by the first decade of the first century AD, when a second Gaius Heius Pollio, presumably a descendant of his earlier homonym, becomes duovir. From the last years of the first century BC, the appearance of freedmen as magistrates at Corinth becomes steadily more rare and eventually disappears. The families of the earlier freedmen magistrates had solidified their standing within the colony and now formed the bulk of a self-perpetuating elite that left little room for new members. Now, to what extent is their achievement in becoming the colony's elite evidence for real social mobility? Certainly, they did make a transition from slave to freedman to magistrate, an opportunity that was given only to a very few and only in somewhat special circumstances. That they did so in relatively large numbers and became solid members of the colony's elite does perhaps indicate, in some sense, a real evolution in their status, not least when viewed in terms of multiple generations of family and the increased status of their descendants. Nevertheless, as I outlined above and have argued more fully elsewhere, this apparent change in their status is to a certain degree a distinction without a difference. Even before obtaining office at Corinth, the freedmen magistrates of Roman Corinth were wealthy, successful, powerful men who enjoyed the backing of even more powerful, wealthy, successful men. These freedmen were able to hold office at Corinth because it suited the interests of their backers to enable them to do so.
holding the various magistracies at Corinth helped secure the long-term fortunes of the families by strengthening their position as well-established members of the colony's elite. But it did not fundamentally change in any meaningful way their relation either to those above them or to those below them. Seen in absolute terms, there is perhaps real upward social mobility at Corinth in that a duovir, for example, is obviously a higher status than a mere freedman. In relative terms, however, it is trying to look at individuals and their relations with others. I see very little change in the status of individuals. Holding a magistracy certainly added respectability. It gave the trappings of power, but that power was already there. This is not to assert, however, that holding office was merely a veneer or was in any way unimportant. If holding office and receiving honors were not important, we would not have countless inscriptions erected by individuals listing the offices they had held and proclaiming the honors they had received. The offices and honors were a communal acknowledgement of the power of these persons, and they were a manifestation of that power, but they were not the source of the power. Put a different way, a distinction needs to be made between changes in status that indicate real movement up the social hierarchy and changes that merely acknowledge an already existing status. The freedmen magistrates at Corinth did not improve their social status by obtaining magistracies, but the magistracies indicate the power and status that they already had. In this way, scholarly concentration on their status as freedmen is, I think, somewhat misleading and implies that somehow that was a determinative, that their freedman status was a determinative factor in their status. I think a factor that might shed light on any possible mobility or change in status among the elite at Corinth is any evidence for their participation in the larger region outside the colony itself. Providing benefactions and holding office were already well-established ways of attempting to secure social advancement in the Greco-Roman world. This, of course, is well known and is entirely uncontroversial. Nevertheless, a few concrete examples here might be helpful. A certain Marcus Antonius Aristocrates, apparently a native of Argos, was a Greek notable enfranchised by Mark Antony. He was on close terms with Antony, even to the extent that he was one of the handful of friends who went with the triumvir when he withdrew from Actium after his defeat. Aristocrates was honored several times in his native Argos as well as in Athens. Certainly in Argos, but presumably also in Athens, his honors were a direct result of his benefactions. The man was also a duovir in Deme in probably the early 30s BC. These are the actions of a man who is attempting to transcend his local importance and to become a member of the larger regional elite, perhaps eventually working his way up the Roman hierarchy. His close personal connection with Antony might have worked to his detriment after Actium, as Antonine, at least some Antonine partisans, were marginalized in the new power structure. Aristocrates countered any potential repercussions from his former association with Antony by acting as the agonothetes of the Isthmia and Caesarea, probably very soon after Actium, sometime in the 20s, probably the early 20s BC. By taking on this role in Corinth, and thus presumably providing a substantial amount of funding towards the games, Aristocrates was able to demonstrate exactly where his allegiance now lay and that he was fully on board with the new regime.
He used the position of agnothetes to cement his regional importance, i.e. to establish that he is at a higher level than the elite of an individual colony, but also to signal to the Romans, who were even more powerful than he, that he wished to join the imperial service, and he has the means to make the sort of benefactions that is required to do so. In the normal course of events, as seen in a number of other similar families, Aristocrates would have gone on to found a dynasty that enjoyed power throughout Greece and perhaps even beyond. This is the pattern that was followed somewhat later by several Peloponnesian dynasties, for example, the Euryclids of Sparta and the Cornelii of Epidaurus. Members of these families held high-level local offices and dispensed benefactions in various cities throughout Greece. By doing so, they were able to transcend their local importance and rise within the larger regional and super-regional hierarchies. Comparison of the success of these men and their descendants with that of the families of Corinth's freedmen magistrates is striking. Men who had been members of the local Greek elite in various Greek cities and who had been enfranchised by a powerful Roman were able to transform themselves and to raise their status, and particularly the status of their descendants. Important also in this regard is that they were able to effect these changes very quickly. In striking contrast, members of Corinth's local elite seem not to have been able to follow the same trajectory. In this regard, one of the very few clear examples of a Corinthian who did succeed in transcending his local position is instructive. Tiberius Claudius Dinippus, an equestrian in the late Julio-Claudian period, rose to have an enormously successful career, holding numerous offices not only in Corinth, but also beyond. The origins of the family are somewhat obscure. There is some reason to think that the family may have been Hellenized Roman negotiatores who had established themselves in the East at some point, perhaps in the very late Hellenistic period, but it also remains possible that they may have been another case of local Greek elites enfranchised by a powerful Roman. In any case, it does seem abundantly clear that the family has no freedman connections whatsoever. When the colony at Corinth was founded, many such powerful families or other interested Romans worked to place their freedmen in positions of prominence in the colony, thereby ensuring control of the colony and, more importantly, the ultimate goal, the wealth that passed through it. When precisely the Tiberii Claudii, or at least some members of the family, moved to Corinth remains unclear. Although the important point is that they themselves moved there and became established in the local elite rather than sending a freedman as most other such families had done. This is an important point and is, I think, the most likely explanation for why the Tiberii Claudii, almost alone of Corinth's elite, were able to improve their status. Now, I don't believe that there are any serious legal constraints that prevented the freedmen magistrates of Corinth, and especially their descendants, from advancing up the social hierarchy, but there does seem to have been very powerful social constraints that really put in place a glass ceiling, as it were. I think it makes some sense to think of Greco-Roman society as aspirational. Certainly a big word in the UK at this point, at least. Countless aspects of public life depended upon private benefactions. One major way of keeping the benefactions flowing was to encourage, through various means, the emulation of those who had already made benefactions.
Now, the importance of emulation and the role that honorific inscriptions, for example, played in it has been well studied. We all know this. Nevertheless, there must be a reason for individuals to emulate their social superiors in contributing to the public good. One important motivation for holding successfully or attempting to hold successively more prestigious magistracies and for providing progressively larger benefactions is that those actions seemingly lead to advancement up the social hierarchy. This is precisely what happened in the case of those families that began as purely local elites, but were able to transcend those beginnings and advance through the imperial service. Their success provided a model that could be emulated and aspired to by those slightly lower on the social scale. In order for the system to maintain itself, each social level must contribute, and aspiration provided a main motivation for this by creating the impression that such contributions could, in fact, lead to advancement. However, it seems that this impression is largely illusory. Men like Corinth's freedmen magistrates contributed heavily to the local public good, sometimes making really rather lavish benefactions. One might think especially here of a man like Gaius Babius Philinus, dedicator of the so-called Babius Monument and much else in the area of the Forum at Corinth. Babius is one of the most prominent benefactors of Augustan Corinth, yet he seems to have been largely unable to escape his origins, and his immediate descendants fared little better. It is only after more than a century that his descendants appear to have made the transition from civic to provincial elite, and only another century after that, i.e. the 3rd century AD, that they were able to move beyond the confines of the province. You look at a man like Dunippus, who seems to come from the local elite, or the local Greek elite, or perhaps Hellenized Romans, he can make that jump in a single generation. For a man like Babius, as powerful as he is within Corinth, it takes a century or two to make that same leap. And I think that difference is important. Now, to try to sum up, freedman status at Corinth was clearly no barrier at all to holding office and to reaching the highest levels within the colony itself. This same phenomenon did occur at some other colonies, but it was fairly unusual. And certainly, the sheer number of freedmen who obtained leading status in Corinth is quite remarkable. The main question, as I see it, however, is how meaningful this really is. Put in really rather crude and certainly oversimplistic terms, the freedmen at Corinth were installed in their position by powerful figures largely outside the colony in order that it could be run for the benefit of those people. The freedmen were simply given a job to do, namely run the colony. Regardless of what offices they held, their status did not change vis-a-vis those above them. They were not able to join those people. Nevertheless, within the colony, they acted in essentially the same way as elites throughout the Roman world, i.e. attempting to hold ever more prestigious offices and to provide benefactions that would lead to further honor and would help cement their position. The colony at Corinth provided an arena in which the freedmen magistrates could succeed within its limited scope and from which they could aspire to advance, even if I would argue this aspiration never, in fact, bore fruit. But the reality of a sort of glass ceiling meant that the possibility of advancement was given, but the realization of that aspiration was seldom, if ever, attained. The experience of these men was in sharp contrast to that of those Corinthian magistrates with rather different origins. For these latter men, success at Corinth and the holding of the most prestigious magistracies there
were a stepping stone and could swiftly lead to a place among the provincial elite in the imperial service. For all their efforts, the freedmen elite of Corinth remained a largely passive background against which others could perform for their own benefit. The colony became frequently used as a vehicle for members of the provincial elite, or even higher level elite, to display their status and thereby to solidify or advance their own positions. Much as the colony was founded to further the interests of provincial or even extra-provincial elites, and the freedmen magistrates were used as a means to that end, so too any benefits and possibilities for advancement accrued to those same elites and not to the freedmen of Roman Corinth. Thank you. We thank you for this very extremely interesting and provocative, I should say, paper. We are looking forward to discussing this. So, may I call now Miss Enora Legier. She will speak about accession et régression sociale, mobilité ascendante et mobilité descendante dans les cités grecques au premier siècle après Jésus-Christ. D'abord, c'est bon, vous m'entendez là? Je remercie les organisateurs pour m'avoir invité à participer à ce colloque. Et je vais donc vous parler d'ascension et de régression sociale. À l'époque de Néron, Tacite rappelait que la classe des affranchis avait pris beaucoup d'extension et que si l'on mettait à part les affranchis, on rendrait manifeste la pénurie des hommes de naissance libre. Alors, il s'agit sans doute d'une exagération de la part de Tacite, surtout pour l'époque concernée, mais cela veut dire qu'il y a derrière une part de vérité et que cette montée importante des homines novi dans la hiérarchie de la société était une nouveauté d'époque impériale. Alors, il s'agit d'un phénomène bien connu à Rome et dans les provinces occidentales dès la deuxième moitié du 1er siècle après notre ère, mais c'est un phénomène un peu plus tardif et beaucoup moins étudié dans les provinces orientales de l'Empire. Pourtant, dans la plupart des cités grecques, sur la base des études onomastiques, on observe une rupture dans la seconde moitié du deuxième siècle de notre ère, avec un net retrait de l'aristocratie traditionnelle et l'apparition de nouvelles familles, très souvent d'origine servile, qui accaparent magistrature, liturgie et prêtrise civique. Alors, on peut à ce propos rappeler un exemple très connu, qui est celui d'Athènes, où Marc Aurèle, comme nous l'a rappelé aussi Sophia Zoumbaki, a légiféré sur le droit d'accès à l'aréopage des affranchis, qu'il trouvait trop nombreux. En 165, dans une lettre commune avec Lucius Verus, l'empereur a fait savoir aux Athéniens que la trigonia, c'est-à-dire l'obligation d'être de naissance libre depuis au moins 3 générations, serait désormais exigée pour toute personne souhaitant accéder au conseil de l'aréopage. Et pourtant, quelques années plus tard, en 174, les Athéniens demandèrent à Marc Aurèle une révision de cette règle, sans doute parce que les citoyens athéniens eux-mêmes avaient de plus en plus de mal à assumer les dépenses liées aux magistratures et aux liturgies civiques. Et donc, le problème rencontré par la couche des notables traditionnels apparaît très clairement dans la réponse de Marc Aurèle aux Athéniens, dont je vous ai mis un extrait ici, lorsqu'il rappelle « Ah, comme je voudrais qu'il y eût beaucoup de familles illustres, afin qu'il me fût possible de m'en tenir, maintenant encore, à notre décision. » On a donc ici un étrange écho, un siècle plus tard, au témoignage de Tacite. Alors, il s'agit ici d'un très grand paradigme révélateur d'une certaine forme de crise et de mutation sociale dans le dernier tiers du IIe siècle et qui montre aussi que, contrairement à une opinion fort répandue, ces mutations et ces difficultés n'étaient pas propres aux petites cités et aux petites communautés.
Alors cette montée des homines novi, qui, comme je vais le démontrer, est concomitante de la disparition des, ce qu'on peut dire, des vieilles élites sur la scène publique, pose question, et c'est pourquoi j'aimerais ici proposer seulement quelques hypothèses qui peuvent expliquer ces mobilités sociales ascendantes et descendantes, mais ça sera vraiment juste quelques propositions sans aucune exhaustivité. Et pour aujourd'hui, contrairement à ce que j'avais annoncé, je me contenterai de présenter des études de cas prises dans les cités cycladiques, que je connais un peu moins mal, pour pouvoir un peu plus rentrer dans les détails et aussi éviter que ma communication ne dure 2 heures. Et mon souhait serait d'approfondir cette première ébauche pour la publication en nourrissant et en nuançant le propos par d'autres exemples pris dans des petites et des moyennes cités de la péninsule hellénique. Alors je commencerai par décrire la situation au IIe siècle et par un exemple détaillé, celui de Théra, parce que la documentation épigraphique y est abondante pour l'époque impériale et permet de cerner un peu mieux que dans de nombreuses autres petites cités les évolutions et les mutations de la société dans une continuité directe avec la basse époque hellénistique. Alors de ce point de vue, ce sont les trois naïskoï, donc vous voyez là, trois sortes de petites chapelles qui sont construites sur le côté occidental de l'Agora Nord et qui renferment les statues des grands bienfaiteurs de l'île et qui permettaient de montrer à tous les passants quelles étaient les familles et les citoyens les plus importants de la cité au 1er siècle et au tout début du 2e siècle de notre ère. Alors d'après les bases inscrites, on sait par exemple que donc la petite chapelle du milieu abritait les effigies de plusieurs personnages qui, comme vous le voyez, descendent tous de grandes familles de magistrats et d'évêchettes dont on peut suivre la trace de manière continue depuis la deuxième moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au début du IIe siècle après. De même, le Naïskos d'à côté abritait des statues d'autres personnages descendant d'une autre branche de la même famille. Toujours pour le début de l'époque impériale, la plupart des plusieurs archontres appartenaient à une autre grande famille théréenne que l'on peut suivre ici de manière assez exceptionnelle depuis le milieu du 3e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au milieu du 2e siècle après. Et cette famille devait posséder une fortune assez importante puisqu'on a gardé un très long testament fait aux alentours des années 210-195 par Épictéta, où il est question d'une fortune de plus de 10 500 drachmes. Et enfin, le troisième petit Naïskoï abritait les statues de personnages d'une famille tout aussi ancienne, puisque par l'intermédiaire de Cartidamas que vous avez ici, Cartidamas est un descendant de Épictéta que je viens de vous montrer. Alors, pour ne prendre qu'un autre exemple, on va aller à Paros, et là encore, les personnages qui occupent les postes clés au 1er siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire les prêtres de avis du culte impérial, les archontes, les stéphanéphores, descendent eux aussi d'une très grande famille de magistrats et d'évergettes dont on peut suivre la trace depuis le 2e siècle avant Jésus-Christ. Alors, les divers exemples qu'on a à notre disposition, je ne les ai absolument pas tous détaillés, montrent que l'avènement d'Auguste et l'entrée des cités grecques dans l'Empire romain n'a en aucun cas mis un terme au monde nouveau dont parle Philippe Gauthier, qui est apparu à la basse époque hellénistique dans les cités grecques. C'est-à-dire que le fonctionnement oligarchique des cités et le régime des notables a perduré jusqu'au IIe siècle, au IIe siècle de notre ère, avec un renouvellement des personnalités dirigeantes au sein des mêmes petites aristocraties et des mêmes petites familles pendant parfois près de 4 siècles. Mais aussi, en fait, le milieu du IIe siècle est également caractérisé par de profondes mutations dans la structure des sociétés insulaires, avec un affaiblissement de toutes ces familles, qu'on peut dire ces vieilles familles de notables, et l'arrivée sur le devant de la scène d'élites nouvelles qui étaient peu ou pas connues à l'époque hellénistique. Alors de ce point de vue, les trois petites chapelles dont je vous ai parlé sont en fait une manifestation éclatante de cette rupture, une traduction dans la pierre, une sorte de point d'orgue et d'apogée de ces dynasties puissantes qui disparaissent après en moins d'un demi-siècle. Donc là, je vous demande de retenir, ça va être ma première catégorie de notables, j'y reviendrai.
Et en fait, il est significatif qu'aucun des personnages qui ont été honorés dans ces Naïskoï n'ait de descendance repérable dans la documentation épigraphique, alors que proportionnellement, ce sont les inscriptions du IIe siècle de notre ère qui sont les plus nombreuses à Téra. Donc, c'est sans doute que ces familles ont été en quelque sorte détrônées dans les honneurs décernés par la cité par d'autres personnages, peut-être plus riches, à cette époque. Alors, si l'on continue toujours avec la même étude de cas à Téra, on voit que à partir de la fin du 1er siècle et surtout durant tout le 2e siècle, ce sont deux autres grandes familles qui ont occupé le devant de la scène dans la cité, qui étaient à la fois magistrats, prêtres et vergettes, qui ont reçu tous les honneurs et qui n'ont aucun rapport direct avec les familles honorées qui datent, enfin, où on pouvait remonter jusqu'à l'époque hellénistique. La première famille, c'est celle des Plotii, où vous voyez donc Théodotos et Léonides étaient des nouveaux évergètes de la cité, avec une particularité quand même, c'est qu'ils se sont alliés par donc, l'intermédiaire de mariage, comme Sophia aussi l'a montré pour Sparte et Athènes, ils se sont alliés à une famille plus anciennement attestée sur l'île, puisqu'Agésicrita est une descendante de la toute première famille dont je vous ai parlé. On a exactement le même schéma avec la deuxième famille, celle des Flavii, dont nous n'avons absolument aucune trace avant le 1er siècle de notre ère. Et tout comme dans le cas précédent, ils ont cherché à s'allier avec des familles plus anciennement attestées sur l'île par l'intermédiaire d'un mariage. Alors, je n'ai pas le temps de développer, mais je signale que la situation est, par exemple, exactement similaire dans la cité de Minoa d'Amorgos, où on a des hommes nouveaux qui apparaissent, qui sont tout de même originaires de l'île, ce n'est pas des étrangers, qui ont souvent contracté des alliances avec les vieilles familles, et il semble que ce soit de nouveaux évergètes qui se sont adaptés au nouveau contexte impérial, et donc là, ça sera ma deuxième catégorie de notables, auquel vient s'ajouter une troisième catégorie qui est celle des homines noui qui, eux, sont étrangers et non originaires des îles. Alors, cette fois-ci, on va se déplacer à Milos, qui est, de ce point de vue, tout à fait exemplaire. Dès la fin du 1er siècle, tous les personnages, je dis bien tous les grands personnages qui se détachent de la documentation épigraphique, portent des noms romains ou romanisés. Plusieurs appartiennent vraisemblablement à des familles de négociatores installées à Milos, et certains sont d'origine servile. Alors là, je ne vous ai vraiment mis que quelques exemples, on en a d'autres. On peut rappeler Flavius Epaphroditos, qui a été magistrat monétaire et dont le nom est inscrit sur les monnaies, qui a financé au moins 4 émissions de bronze. Ou encore Marius Trophimos, qui était, c'était la statue que vous aviez sur le PowerPoint, qui était hiérophante de l'une des associations cultuelles les plus importantes de Milos. Donc là encore, je pourrais multiplier les exemples qui apparaissent dans toutes les îles sans exception. C'est très perceptible à Syros dès le IIe siècle et à Paros également, où au début du IIIe siècle, les magistratures et les prêtrises principales de la cité ont presque exclusivement été exercées par des affranchis ou des descendants d'affranchis, ce qui pose tout de même question. Alors, cette situation n'a rien d'extraordinaire et est relativement courante dans les provinces occidentales, mais il est intéressant de l'étudier dans un contexte local comme ici, où le phénomène apparaît avec force et est bien daté. L'une des explications possibles pourrait être trouvée dans l'ascension des notables locaux qui partirent faire carrière à l'étranger, dans les grandes cités de l'Empire. Et ce qui permettrait, en fait, ils auraient créé ainsi un vide et laissé la place pour de nouveaux personnages à la tête des cités. Si on reprend en effet le cas de Téra, les membres des deux plus grandes familles de la cité, donc ces notables de la deuxième catégorie que je vous ai citée, ont tous exercé des fonctions à l'étranger. Donc là encore, je ne serai pas exhaustive et je vous montre juste quelques exemples. Pour ce qui concerne la première famille des Plotii, le premier citoyen de la famille, le premier citoyen romain attesté dans la famille, Aulus Plotius Leonides, a été Asiarque à Éphèse, et son fils,
a été Béotarque, ce qui ne va tout de même pas de soi pour un personnage originaire des Cyclades, et réapparaît également dans une inscription de Charistos ou en Eubée, où il a vécu et où il s'est marié. Et l'une de ses sœurs, elle, s'est mariée avec un riche sénateur de Thespie et qui avait aussi des fonctions à Delphes. Donc en fait, on arrive pour cette famille à cette situation à partir du milieu du deuxième siècle de notre ère. Plus aucun membre de la famille n'est attesté à Théra. Ils sont tous partis ailleurs. On a exactement le même schéma avec la deuxième famille que je vous ai citée, la famille de Cléitosthénès, qui ont atteint des carrières et des fonctions exceptionnelles pour de simples citoyens en provenance d'une petite île des Cyclades. L'un d'entre eux donc, a exercé plusieurs fonctions à Éphèse, et en particulier l'asiarchie à deux reprises, et il a également été prêtre à vie de Zeus Larasios à Thrale. Son fils également a d'abord été prytane et irénarque à Éphèse, puis aussi prêtre à Thrale, et a fini par être consul, qui est donc le point d'orgue d'une carrière politique pour un provincial. Le symbole par excellence de cette nouvelle génération est sans doute Tiberius Claudius Frontonianus, dont nous connaissons la carrière grâce à une inscription de Milos, rappelant qu'il a offert 25 000 deniers à la cité. Plusieurs inscriptions d'Éphèse rappellent qu'il a exercé des fonctions de tout premier ordre à Éphèse, mais aussi à Smyrne. Et son fils, Claudius Thémistocles, est également mentionné comme asiarque à Éphèse, et plus curieux, mais non moins intéressant, comme éphèbe à Athènes en 166-167, inscrit dans l'Œdème de Marathon. Donc, je ne m'attarde pas plus longtemps sur ce phénomène, puisque c'est un schéma d'insertion sociale qui est très connu dans l'ensemble des provinces de l'Empire, où les hautes magistratures locales et la prêtrise impériale ont été des vecteurs essentiels de la promotion sociale des notables à une échelle locale, qui leur ont permis de passer de la citoyenneté locale à la citoyenneté romaine, puis à l'ordre équestre, puis à l'ordre sénatorial, et ce, en l'espace seulement de 2 ou 3 générations. L'exemple sans doute le plus révélateur et qui est presque un symbole, c'est donc cet arbre généalogique où vous voyez la famille d'origine théréenne et la famille d'origine mélienne qui sont partis à Éphèse et en fait qui se sont alliés par l'intermédiaire donc d'un mariage entre les deux personnages ici et qui donc après exercent à Éphèse, à Thrale, à Athènes, ont atteint l'ordre sénatorial, mais plus aucun des membres de ces familles ne sont attestés ensuite dans les îles. Alors, force est de constater que la deuxième moitié du deuxième siècle est caractérisée par la fuite sans retour des plus grands notables insulaires vers des cités plus attractives de l'Empire, et les îles perdirent ainsi ceux qui servaient de moteur principal pour leur vie civique et auraient été en quelque sorte victimes de l'ascension sociale de leurs notables et de la réussite de ces derniers sur le plan provincial. Le problème, c'est que cette mobilité géographique est loin d'être vraie partout. On ne la voit pas non plus aussi clairement dans toutes les îles. Et surtout, elle ne concerne qu'une toute petite minorité de citoyens. Certes, les plus aisés et les plus importants, et c'était certain qu'il s'agissait d'un manque à gagner pour leur cité d'origine. Mais cette ascension sociale à l'étranger ne peut pas à elle seule expliquer l'ensemble des recompositions sociales dans les cités grecques, et surtout, elle n'explique pas la montée en puissance des étrangers et des affranchis. Donc, parmi d'autres explications possibles, il faut aussi prendre en compte des facteurs d'ordre économique, dont je vais parler seulement de certains. L'une des explications en général alléguée à cette disparition des élites, c'est le fait que les élites traditionnelles avaient du mal à supporter le coût de l'administration impériale et que pendant un temps, le privilège et le prestige qu'ils en retiraient étaient une contrepartie suffisante, puis le coût est devenu de plus en plus difficile à supporter. Alors, dans les Cyclades, comme partout ailleurs dans le monde grec, on a plusieurs inscriptions qui témoignent de cette baisse importante du nombre de citoyens riches capables d'assumer les dépenses pour la cité. Là encore, je ne prends que 2 exemples. Le premier provient de Sériphos, qui date exactement de cette période de mutation,
qui est d'interprétation délicate, puisque, comme vous le voyez, c'est un décret assez lacunaire. Il est clair néanmoins, à la ligne 5-6, que la cité se plaint d'avoir perdu tous les citoyens les meilleurs et les plus remarquables, c'est-à-dire très certainement tous les plus riches, et elle craint que ce manque cruel des vergettes et de personnes pouvant exercer les charges civiques ne fasse qu'aggraver la situation qui ne semble pas déjà pas très florissante. Donc ça, c'est aux lignes 6 et 8. Le deuxième exemple, qui est assez connu, provient d'Andros, qui date de l'époque d'Antonin. Là encore, bien que le décret soit lacunaire, il permet de comprendre qu'il s'agit d'une demande de l'exemption de la capitatio, to epikephaleion, c'est-à-dire le tribut exigé par les Romains, pour les bouleutes, les décaprotes et d'autres citoyens. Donc ça, c'est à des lignes 6 à 11. Ces individus ou la cité suggèrent de créer un revenu sur le capital provenant de l'exploitation de la terre publique afin de couvrir les impôts demandés par le gouvernement romain à la cité. Alors, ce sont des exemples dans les Cyclades. C'est une crise que l'on retrouve également dans les plus grandes cités des provinces orientales. À Athènes, cette crise apparaît dans le fait que les Athéniens ont été dans l'impossibilité de trouver un volontaire pour prendre en charge les dépenses de l'Archonta en 167, 168 et en 169, 170. Ou encore à Éphèse, entre 170 et 180, Marc Aurèle a été obligé de légiférer et de baisser le coût de certaines liturgies en raison du manque de candidats pour exercer les magistratures les plus importantes. Donc là, on a vraiment des preuves tangibles de la ruine de cette première catégorie de notables dont je vous ai parlé. Le problème reste à savoir parfois si c'est qu'ils ne peuvent pas payer ou s'ils ne veulent pas. Pas ou plus payés. S'il y a eu moins de citoyens pour prendre en charge les fonctions civiques les plus prestigieuses, c'est peut-être aussi parce que certains d'entre eux n'en avaient plus envie et se désintéressaient de plus en plus des affaires de la cité. Et il faut bien rappeler que les inscriptions ne nous permettent pas toujours de trancher entre capacité et volonté. Et à Andros, par exemple, la demande d'exemption par les citoyens les plus importants prouve qu'ils cherchaient à se décharger de cette responsabilité financière, soit qu'ils n'aient pas été assez riches ou pas assez nombreux, soit tout simplement qu'ils ne veuillent plus payer. Partout dans l'Empire, à partir du milieu du IIe siècle, on a des attestations de riches citoyens qui cherchent constamment à échapper aux magistratures et aux liturgies de leur cité. Alors là, j'ai mis juste quelques exemples. Dion de Prusse qui plaide pour refuser l'Archonta. Aélus Aristide qui refusa d'être Archiéreus, Logistès et Irénarque en prétextant que sa fortune ne lui permettait pas de faire face à de telles obligations. Ou encore le Numularius de Thèbes qui a été mis en scène par Apulée et qui invoquait la pauvreté pour échapper aux Munera. Alors, il s'agit bien évidemment de cas exceptionnels, mais nous aurions là la preuve d'une profonde transformation des mentalités, d'un changement de culture politique des citoyens grecs d'époque impériale et d'un éloignement progressif de l'idéal grec de la participation et du don gratuit. Les riches insulaires ne désiraient peut-être plus mettre leur fortune en péril ni se ruiner pour leur cité. Alors, une telle explication est d'autant plus plausible que l'on constate à la même époque le développement de l'intérêt de riches insulaires pour les régions périphériques des Cyclades et l'enrichissement de certains d'entre eux grâce à leurs activités à l'étranger. Et donc ça, c'est l'ascension sociale et la fortune de la deuxième catégorie de notables dont je vous ai parlé. Ce sont eux, c'est ceux qui ont réussi dans l'Empire, qui avaient de l'argent, mais qui ne l'investissaient plus pour leur cité d'origine, mais plutôt pour faire carrière dans l'administration romaine et ailleurs de leur cité. Cela apparaît en négatif également lorsque l'on s'intéresse à la situation de la troisième catégorie donc les homines novi, qui s'illustrent tout particulièrement et parfois plus que les autres par leurs actes d'évergésie. Donc c'est sans doute très important parce que contrairement à l'aristocratie traditionnelle fondée sur la naissance, la carrière d'un fils d'affranchi dépendait, du moins au départ, presque entièrement de la richesse. D'où un grand nombre d'inscriptions dans les Cyclades, on en a beaucoup, qui insistent sur les dépenses de ces homines novi. Donc là, je vous ai juste mis quelques exemples qui proviennent de Milos, qui ne sont pas pris au hasard, vous verrez, je vais y revenir. Mais donc avec les familles de Lucius Maius et Ross, ou encore de Cornelius Domitianus.
Alors, il y a ensuite un troisième élément à prendre en compte. À l'exemple des notables d'Andros, tout le monde cherchait l'immunité à partir du IIe siècle. Et c'est peut-être un facteur que l'on oublie parfois un peu trop de commenter. D'après le Digeste, jusqu'à l'époque d'Adrien, la plupart des marchands et des négociatores dans les provinces orientales avaient l'immunité. C'est-à-dire qu'ils n'avaient aucune obligation de supporter le coût des magistratures et des liturgies dans la cité où ils vivaient ou à laquelle ils étaient rattachés. Donc c'est un phénomène qu'on rappelle en général pour les philosophes, les grammairiens, les rhéteurs ou les docteurs, mais que l'on oublie parfois de rappeler pour les marchands. Or, si l'on en croit le Digeste, à partir du règne d'Adrien, on a multiplié les enquêtes pour déterminer qui avait le droit à cette immunité et pour combien de temps. Et la restriction la plus importante, me semble-t-il, concerne l'exemption des marchands qui devaient être, à partir d'Adrien, engagés dans le transport de marchandises servant l'approvisionnement de Rome et qui étaient exclus de l'immunité les riches marchands qui ne réinvestissaient pas une grande proportion de leurs fonds dans le commerce et ne cherchaient pas à augmenter l'échelle de leurs activités commerciales. Donc, de cette analyse, on peut tirer quelques remarques interprétatives. C'est que peut-être que l'immunité, jusqu'à l'époque d'Adrien, a pu aider, d'une certaine manière, certains négociatores et affranchis à raffermir leur fortune. Mais en même temps, ces textes peuvent aussi expliquer pourquoi, à partir de l'époque d'Adrien, certains autres riches marchands, mais qui ne remplissaient pas les conditions requises, en particulier le problème de l'approvisionnement de Rome, ont été obligés, peu à peu, de prendre en charge les magistratures et les liturgies dans les cités dans lesquelles ils vivaient. Et donc cela peut peut-être, bon, parmi beaucoup d'autres facteurs, peut être un facteur explicatif expliquant pourquoi on les voit apparaître en un peu plus grand nombre au poste clé dans la deuxième moitié du deuxième siècle de notre ère. Et enfin, pour terminer, j'évoquerai un autre type de cause possible. Cette montée des homines novi peut être aussi due parce qu'ils sont devenus les plus riches de la cité, parce qu'ils ont trouvé d'autres sources de richesse. En effet, on peut prouver que l'aristocratie traditionnelle, donc là, moi, pour les Cyclades, pour ce qui m'intéresse, était essentiellement des propriétaires fonciers, mais que, en fait, au fil des siècles, le patrimoine a été partagé et dilapidé, en particulier avec tous les problèmes d'héritage et de dot. Et si on pense aux îles qui sont plutôt rocailleuses et étriquées, les terres cultivables n'étaient pas extensives. En plus, à l'époque romaine, on voit qu'on a la mise en place d'un régime de la grande propriété où parfois seulement une dizaine de grands propriétaires possédaient la plupart des terres sur chaque île. C'est ce qu'on peut déduire de calculs d'après les cadastres de Terra ou d'Astipalea, par exemple, qui sont un peu plus tardifs, donc c'est quand même fin du IIIe siècle, donc il faut rester prudent, mais qui montre, là, bien que le cadastre soit lacunaire, j'ai fait un premier calcul et qui vous montre que 3 familles possèdent déjà entre un cinquième et un sixième des terres cultivables. Donc ça ne laisse quand même que très peu de latitude pour d'autres personnes pour s'enrichir avec la terre. Les négociatores, en revanche, ont pu faire fortune dans l'exploitation de ressources naturelles et dans le commerce. Et en ce sens, Paros et Milos sont des cas tout à fait révélateurs. Donc à Paros, je n'y reviendrai pas, où les carrières de marbre étaient propriété impériale et ont été abondamment exploitées par des affranchis impériaux et des descendants d'affranchis. Ou encore, à Milos ici, l'alun et le soufre mélien qui servaient à l'approvisionnement de Rome et qui sont des activités qui employaient un très grand nombre d'esclaves et d'affranchis impériaux. Je vous montre juste quelques exemples. Donc, pour vous montrer que mon exemple des évergettes tout à l'heure n'était pas pris au hasard, on retrouve comme par hasard donc un affranchi ici, qui est nommé comme Mercator, qui a peut-être des liens, bon, ça on ne peut pas le prouver, avec les vergettes Maius et Ross, mais ce qui est important de voir, c'est qu'on trouve sur des amphores à Alain Mélienne, qui étaient diffusées jusqu'en Italie, on trouve des timbres avec le terme Erotis
qui pourrait plaider en faveur d'un rapprochement entre ces individus. Surtout qu'il en va exactement de même avec la deuxième famille de négociatores, les Cornelii, où on a trouvé là beaucoup de fragments d'amphores provenant d'Agia Chiraki et en Italie, avec des timbres qui sont cor ou co. Donc il est là encore très tentant d'y voir une abréviation des Cornelii que l'on pourrait mettre en rapport avec les individus et vergettes connus dans les inscriptions méliennes. Alors, en conclusion, comme j'ai essayé de le montrer à travers l'exemple des Cyclades, la deuxième moitié du deuxième siècle de notre ère constitue une véritable rupture dans les cités grecques, où l'on voit à l'œuvre ces mobilités ascendantes et descendantes que j'ai décrites. Il est donc certain que ce fut une période de prospérité pour les très très riches, c'est-à-dire ceux qu'on a appelés les primoues ouiri, ceux qui sont partis à l'étranger et qui ont connu une très grande ascension sociale, et eux seulement. C'est sans doute une période de ruine pour les autres, les inférieures, qui ont pu être magistrats bouleutes, mais qui ont eu du mal à se relever et qui ont laissé la place à des hommes nouveaux, enrichis par d'autres moyens. Donc j'ai essayé de montrer que les causes de ce phénomène sont complexes et diverses, et pas seulement dues à la ruine des notables, mais qu'il y a sans doute un mélange de mutations dans les mentalités collectives et de divers facteurs économiques, entre autres facteurs non développés ici et qu'il conviendrait d'examiner en détail. Alors il reste que la réalité est sans doute tout de même plus stratifiée que ne le laissent entrevoir nos sources, puisque nous sommes en effet sans doute prisonniers d'une certaine forme d'illusion d'optique provenant de la nature même de notre documentation épigraphique, qui est d'abord et avant tout honorifique, et qui crée autour des notables dont il a été question ici une impression de splendide isolement. Et en fait, quand on s'attache à plusieurs décrets, ou par exemple les décrets d'Amorgos qui sont très nombreux, on voit que derrière le mot élite ou derrière le mot notable peut se cacher une réalité un peu moins homogène, sans doute plus stratifiée, où les très grands notables occultent des notables ordinaires qui restent en fait sans réel affichage dans notre documentation. Bon, c'est en particulier la théorie défendue par Zuider-Hawk, et il y a là encore matière à des recherches approfondies. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Mes excuses. Amissa. Ok. Voilà. Et évidemment, je vais commencer par remercier les organisateurs du colloque qui commence très bien. Me satisfaire donc de ce déplacement dans le temps un peu en arrière, cette mobilité temporelle que j'ai accepté de subir tout à l'heure, parce que je pense que ma communication va faire un contrepoint, va permettre de compléter, de voir un cas un peu différent dans une société un peu différente de celle que Enora Le Quéré vient de présenter. La société de Larissa à l'époque impériale présente un caractère qui me semble paradoxal. Elle est manifestement riche, là encore une fois, sur des bases de propriété foncière manifeste. Elle profite aussi pleinement de sa position de capitale du koinon thessalien, de la confédération des cités thessaliennes. Pour autant, la cité de Larissa est quasiment invisible à l'extérieur de la Thessalie. C'est le cas à Delphes, notamment, où la Thessalie romaine, Larissa en tête, qui est depuis longtemps la première puissance à l'Amphictyonie, va confier à des ressortissants du peuple le plus récemment intégré à sa confédération de cités, les Énianes d'Hypata, ceux qui habitent tout au sud dans la vallée du Sperchios, vers les Thermopyles, le soin d'occuper les charges les plus prestigieuses offertes
par l'Association internationale de l'amphictyonie d'Épile et de Delphes. C'est le cas notamment de la fonction récemment créée d'épimélètes des amphictyons, c'est-à-dire ceux qui, à partir du règne de Tibère, vont administrer la caisse sacrée. Et c'est le cas aussi de la charge d'agonothète d'Épitia, l'organisateur du concours le plus important, évidemment, un des plus importants à l'échelle même de la Grèce continentale. Aucun épimélète de Larissa n'est connu, alors que plusieurs épimélètes thessaliens le sont, ce sont tous des hypatéens. Et parmi les 13 agonothètes d'Épitia que nous connaissons, parmi les 15 agonothètes que nous connaissons, 13 sont thessaliens et 11 sont originaires d'une cité autre que Larissa. Deux exceptions, le premier agonothète d'Épitia, là encore une, sous Claude, hein, on est vraiment dans la fin de cette première moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ, hein, Cléomachidas, qui appartient à une grande famille de Larissa, qui est vouée à disparaître un peu plus tôt que les familles dont Ténora nous a parlé, qui, on va dire, est l'extrémité de ces puissantes familles d'époque hellénistique qui vivent leur dernier feu au milieu du 1er siècle après Jésus-Christ. Autre exception, autre agonothète d'Épitia originaire de Larissa, un cas tout à fait exceptionnel dont Panayotis Doukelis parlera demain peut-être, qui est celui du sophiste Hippodromos de Larissa, qui tient la chaire de rhétorique à Athènes à la fin du 2e siècle après Jésus-Christ, qui est connu pour avoir organisé par deux fois l'Épitia, et dont Philostrate disait qu'il était le fils du plus riche propriétaire de chevaux de Larissa. Un cas donc tout à fait exceptionnel. On ne sait rien non plus, je continue, hein, cette absence d'implication des Larisséens à l'échelle des fonctions qui leur étaient proposées, on va dire à l'échelle de la province, de la région de la Grèce continentale. On ne sait rien de la participation de Larisséens aux charges créées après la fondation du Panhellénion par Adrien, vers 130 après Jésus-Christ. On y trouve des Thessaliens, mais ce sont encore une fois des Hypatéens qui prennent en charge ce type de fonctions. Et on sait combien ces charges, ces fonctions, ont été particulièrement vectrices de promotion à l'échelle de la province. Troisième élément de départ, le culte impérial à Larissa paraît avoir été organisé assez tard, ne concernant d'ailleurs pas la cité à proprement parler, alors même qu'un embryon de culte impérial a été mis en place par la cité qui, de Larissa tout de suite après la bataille d'Axium, qui a cherché à honorer Livie assimilée à Héra, mais dans un culte qui mettait manifestement, plaçait, on va dire, dans lequel la cité de Larissa se plaçait sans doute bien plus dans la continuité de ses relations avec les grandes familles de l'époque de la Moyenne République, dont la gens Claudia faisait partie, bien plus que dans la mise en place d'un nouveau système de relations avec les autorités du pouvoir monarchique qui se met en place. Donc tous ces éléments nous montrent que Larissa est un peu en dehors de ce système, on va dire, de ce moteur, de tous les moteurs qui lui auraient permis à certaines de ses familles d'aller plus haut. C'est la question donc de la résistance de l'élite politique larisséenne à se hisser au niveau d'une élite régionale, de l'élite régionale, provinciale ou même à l'échelle de l'Empire, ou son impuissance à le faire, que je vais poser très rapidement sans avoir d'éléments de réponse définitifs, comme vous pouvez le supposer. Et je vais le faire à partir du cas d'une quinzaine d'individus qui portent le nom gentilis Coceius, dont je vais montrer qu'ils appartiennent sans doute à une seule famille, hein, et il ne faut pas y chercher une dispersion de la documentation très lacunaire. La documentation, parlons-en justement, elle est à la fois relativement importante en termes de nombre, alors évidemment on n'a pas des choses aussi exceptionnelles qu'en Asie mineure, c'est certain, mais on va dire que la Thessalie est assez bien servie. En revanche, elle est un peu hors norme. En plus des monuments funéraires qui sont assez nombreux, mais qui sont fort mal classés, et pour beaucoup perdus, mais enfin l'étude devrait commencer un jour, la Thessalie a fourni, et Larissa au premier chef, des listes semestrielles d'enregistrement des affranchis, enregistrement de la perception de la taxe des affranchis, à laquelle étaient soumis tous les esclaves libérés, qui relevaient de cités appartenant à la Confédération thessalienne. Alors ces listes vont nous donner, peuvent fournir donc les magistrats de Larissa, qui ont pris en charge la perception de cette taxe, les trésoriers, les tâches, c'est-à-dire le petit bureau
qui seul exerce le pouvoir politique, parce que les cités thessaliennes, à la différence de beaucoup, de la plupart des cités par ailleurs, n'ont pas de boulet, n'ont un système direct de bureaux politiques, d'une certaine manière, de petits bureaux de magistrats, et face à un démos important. Il n'y a pas non plus de synédrion. Le seul synédrion que les cités thessaliennes connaissent, c'est celui dans lequel se trouvent les ambassadeurs, les émissaires de chacune des cités. C'est le synédrion fédéral qui se réunit une fois par mois à Larissa. Donc, ces listes d'affranchis montrent, nous donnent quelques noms de magistrats de Larissa, nous donnent aussi le nom du stratège fédéral éponyme du Koinon, des noms de propriétaires d'esclaves et des noms d'affranchis. Autre type d'inscription un peu hors norme, et son étude ne fait que commencer, les gradins du théâtre de Larissa, qui a été dégagé dans les années 90 et au début des années 2000, et qui est en cours d'étude, a porté des noms pour réservation pendant plus d'un siècle, des topoi, à partir vraisemblablement des années 120 après, et jusque, on va dire, dans une date un peu avancée, dans le 3e siècle après, les noms se superposant, tous n'étant pas effacés, ce qui demande évidemment un soin, une étude épigraphique qui ne fait que commencer. Même si quelques éléments de chronologie relative et absolue sont maintenant à peu près établis, en tout cas dans ma tête. Une absence de taille dans ce corpus qui permet, sur lequel je propose de travailler, l'absence d'inscription honorifique. Il n'y a pas d'épigraphie honorifique en Thessalie, ce qui est bien dommage, vous vous en doutez. Ces inscriptions qui pourraient nous livrer un discours des Larisséens sur eux-mêmes, sur les prétentions généalogiques des familles, sur des alliances, ce genre de choses, nous n'y avons pas. Cela fait donc de la Thessalie, d'une certaine manière, une sorte de monde à part, l'expression a été utilisée plusieurs fois dans certaines diverses langues, auquel on accède, un peu comme le héros des métamorphoses d'Apulée, en traversant un no man's land qui le sépare des régions qui sont plus proprement et plus directement connectées au monde romain autour des capitales provinciales, au nord Thessalonique et la Macédoine, et au sud l'Achaïe de Corinthe et d'Athènes, bien sûr. Le statut de la Thessalie est aussi, nous ne le connaissons qu'en creux, il est tout à fait vraisemblable que, peut-être jusqu'au début du 3e siècle après Jésus-Christ, elle ait bénéficié d'un statut de liberté qui l'a aussi maintenu, on va dire, un peu en dehors de cet ensemble provincial. Alors, je vais donc, dans un premier temps, essayer de reconstituer, enfin, dans un premier temps, non, toute la communication, on ne sera que la reconstitution de cette famille des Cocceii, mais à chaque étape, en posant un certain nombre de questions pour voir ce que l'on peut obtenir de cette documentation et comment on peut avoir quelques éléments sur les spécificités de cette société. Voilà le schéma tel que je l'ai recomposé. Alors je vais partir du milieu pour revenir dans le temps et puis redescendre en revenant au milieu. Alors j'espère que je ne vous perdrai pas. Le personnage le plus anciennement connu dans la documentation est le stratège fédéral de la 15e année du règne d'Adrien, on est vers 130, qui s'appelle Cocceius Lycos, qui est connu par plusieurs listes d'affranchissement, celle-ci de Larissa que vous avez sous les yeux, une d'Hypata, une de Kyretiae. Il porte un cognomen extrêmement banal et il a été longtemps isolé dans la prosopographie thessalienne. On ignorait même s'il était larisséen, parce qu'il apparaît ici en tant que stratège fédéral et évidemment les ethniques n'y sont jamais précisées, hein, quelle que soit la cité dans laquelle étaient affichés les documents. La reconstitution d'un fragment que vous avez ici sous les yeux, qui était considéré comme une stèle funéraire, ce qui est sans doute le cas, permet de supposer, enfin de reconstruire, d'avoir même l'assurance qu'il existait un personnage du nom de Cocceius Aristophilos, fils de Lycos, dont l'emplacement du monument funéraire avait obtenu l'approbation du synédrion fédéral, c'est ce que dit le texte à droite tel que je le reconstitue, et peut-être même l'approbation de la cité de Larissa. La nomenclature semble indiquer qu'Aristophilos est le premier de sa famille à porter les trianomina, qui sont ici, et dans tous les documents, à l'exception d'un seul, réduits à deux, à duonomina, malheureusement. Il s'agirait, à mon sens, plutôt du père du stratège de 131, après Jésus-Christ, et c'est sans doute lui qu'il faut retrouver dans d'autres listes qui n'ont été vues, d'autres listes d'affranchissements connues, trouvées au milieu de la plaine occidentale thessalienne, et que seul le major Lyc a pu voir au début du XIXe siècle, mais donc... Je passerai sur ces éléments de démonstration. Il est, avec ce Cocceius Aristophilos et son probable fils Cocceius Lycos, tous les deux stratèges fédéraux,
il est intéressant de faire la connexion avec un stratège, je n'ai pas mis ici le document qui le concerne, mais qui est connu pour avoir exercé la stratégie fédérale lui aussi, avant ceux que je considère comme son petit-fils et son arrière-petit-fils, et qui s'appelle Aristophilos Lycou, connu pour avoir été stratège en 53 après Jésus-Christ, sous le règne de Claude, dans un document de Thèbes de Phtiotide. Je proposerai encore une fois à rebours de reconnaître dans un stratège de l'époque de Tibère, qui est connu uniquement par des monnaies, le père de cet Aristophilos. Vous voyez comment je fonctionne à rebours. Alors je vais passer vite sur la démonstration. La troisième émission monétaire d'époque impériale était datée par un stratège Lycoutas, qui me semble irrecevable puisqu'il s'agit d'une forme dialectale, alors que le dialecte n'est plus utilisé à l'époque impériale. Il faut plutôt y reconnaître le stratège Lycos. Vous avez ici le plus petit module de ces émissions monétaires, qui représente un loup, et c'est la seule pièce sur laquelle il n'est gravé que Lycou et non pas Lycoutas, et le reste du nom, il s'agit donc du patronyme de ce Lycou, qui est réduit à un monogramme que vous avez sous les yeux ici et que l'on reconnaît comme Aristophilos, hein, un monogramme. Voilà donc un Lycos fils d'Aristophilos, qui a choisi d'ailleurs comme type monétaire pour son petit module un loup, un type parlant, qui aurait pour fils donc stratège et magistrat monétaire, un fils stratège, un arrière-petit-fils stratège et un arrière-arrière-petit-fils stratège. Et nous sommes ici vers 25 après Jésus-Christ. La famille a obtenu la citoyenneté romaine dans la deuxième moitié du 1er siècle après Jésus-Christ. Il serait naturel de supposer que des Cocchei portent le gentilice de Nerva, mais le seul praenomen connu dans la documentation est celui de Lucius, ce qui nous invite plutôt à reconnaître le beneficium, l'intervention de l'antipatos Lucius Cocceius Justus, qui est connu par une inscription de Larissa, qui honore la fille de ce, malheureusement anonyme pour nous, de cet antipatos, dont on ne sait pas s'il a exercé son mandat en Achaïe ou en Macédoine, hein, la Thessalie se trouvant entre les deux et ne relevant, en tout cas au 1er siècle, ni de l'une ni de l'autre. Je ne peux pas en préciser la date, sinon que nous sommes après 53 après Jésus-Christ et avant les années 100, puisque c'est là que je place le stratège Cocceius Aristophilos, premier du nom à avoir exercé, à avoir plutôt obtenu la citoyenneté civique. Alors, cette section de lignage montre une grande constance dans l'accès aux premières charges fédérales thessaliennes, donc l'appartenance à l'élite fédérale, à l'élite thessalienne, on va dire, et non pas à l'élite laricéenne. Et celui dont nous ignorons s'il a exercé la stratégie fédérale l'a sans doute très probablement exercé. La question se pose alors, d'où viennent-ils? Est-ce qu'on peut remonter plus haut encore? Alors, la question est un peu compliquée. Aucun document de l'époque hellénistique ou des tout débuts de l'époque impériale, des premières années de l'Empire, dans aucun de ces documents n'apparaît la combinaison onomastique Aristos et Philos, qui pour l'instant, Aristophilos et Lycos, qui nous a permis de reconstituer tout ça. Cette branche familiale a donc pu récemment accéder à la notabilité, mais on sait évidemment quelle est la valeur de cette démonstration par le silence. Elle est plus probablement issue d'une branche mineure, d'une famille déjà installée. La génération précédant la stratégie de Lycos ne laisse place qu'à des hypothèses fondées sur la rareté du nom Aristophilos. À Larissa, le nom est somme toute assez fréquemment attesté, mais toujours dans un tout petit nombre de familles. Si l'on s'en tient au début de l'époque impériale, un contemporain, un strict contemporain du magistrat monétaire que je vous présentais, Lycos Aristophilou I, est un Philiscos Aristophilou qui est l'époux de la prêtresse de Livie assimilée à Héra. Vous avez sous les yeux. Prêtrice dont je parlais en introduction. Cette dame anonyme est la fille d'un Alexipos, et Alexipos est un nom extrêmement rare qui n'est attesté que dans une famille de Larissa. Quasi de manière exclusive dans l'ensemble du monde grec, et qui est une famille que l'on peut faire remonter jusqu'à la première moitié du 1er siècle, du 3e siècle avant Jésus-Christ. Ce sont des familles assez semblables à celles qu'Enora nous a présentées tout à l'heure. Un Hippolochos thessalien, père d'un Alexipos, et le commandant de cavalerie de Ptolémée IV, dans la dernière partie du 3e siècle avant Jésus-Christ. Et il a participé, hein, avec des membres de sa famille, à la mise en place du nouveau koinon thessalien aux côtés de Flamininus. Donc c'est la première famille de Larissa, très clairement.
La famille n'a cessé de pourvoir la cité de Larissa et le koinon thessalien en magistrat, mais l'Alexipos que vous avez sous les yeux, qui est le père donc, de cette prêtresse de Lévis, est le dernier, on va dire, le dernier datable dans la documentation actuellement connue. Alors, l'hypothèse que je peux émettre, c'est l'alliance entre cette famille d'Aristophilos, on va dire, d'une certaine manière, et qui ne fait que naître, et cette famille des Alexipos Hippolokos, qui, elle, est en train de terminer sa vie de famille puissante. On ajoutera qu'un gradin du théâtre de Larissa porte le nom de Cocceius Polyxenos, et qu'un gymnasiarque de Larissa du milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ s'appelle Polyxenos, fils d'Aristophilos. Donc il est bien probable que cette famille, la famille dont je parlais, remonte, elle aussi, fait partie d'une, on va dire, d'une notabilité de deuxième rang, d'un deuxième cercle de la notabilité locale de Larissa, à l'époque hellénistique, à la fin de l'époque hellénistique, et que ce n'est qu'avec l'Empire qu'elle accède, on va dire, à la notabilité fédérale thessalienne. Alors, évidemment, c'est en partie hypothétique. Deuxième, je vous remontre, alors, cette alliance se fait ici, c'est Aristophilos Philiscou, qui est là aussi, sont des noms qu'on ne peut pas faire remonter, malheureusement, malgré l'abondance de la documentation pour le 1er siècle avant Jésus-Christ, qui est, on va dire, un cas exceptionnel dans le monde grec. Nous sommes ici, vous êtes ici, au milieu. Nous allons donc descendre. Quels sont les descendants de ces Cocceï à partir donc du stratège Cocceius Lycos de l'époque d'Adrien? Si l'on repart de lui, en 131, ce sont les listes d'affranchissement qui vont nous indiquer les liens familiaux qui unissent les membres de la famille, les descendants. Une liste de Larissa, vous avez ici, c'est un peu loin, montre que la fille de Cocceius Lycos se nommait Parmonis, et c'est un personnage qu'on va revoir aussi. Elle dispose d'un esclave qui s'appelle Apollonios. On peut obtenir d'une autre série d'affranchissements bien plus lacunaires ici, le nom de deux frères, Isagoras et Aristophilos, que vous avez ici. Le nom du père est perdu, mais la présence d'un Cocceius Isagoras dans les gradins du théâtre de Larissa, dont je vous montre ici une photo de la partie inférieure de ce qu'on appelle donc l'Ima Cavea, la seule conservée malheureusement. Donc un gradin qui porte le nom Cocceius Isagoras nous invite à supposer que Isagoras et Aristophilos sont fils de Lycos, c'est ce que je présentais sur l'inscription précédente. Ces inscriptions, les topoi se trouvent ici sur la quatrième kerkis, très en avant, donc, ils ont été gravés dans les années 170, avant une série d'aménagements pour protection lors des combats de gladiateurs et plus tard pour des chasses. Donc on va dire que c'est une chronologie qui est assez certaine. Nous sommes donc une génération après Cocceius Lycos, sinon deux, c'est donc un descendant à mon sens. Il existe, vous avez ici donc le nom Cocceiou Isagorou en bas, mais ça n'apparaît pas très bien, c'est pas facile, tout ça est très grand, donc c'est pas facile de rendre ça pour l'instant avec les instruments à ma disposition. Vous avez aussi un Cocceius Ménécrates qui est postérieur d'une génération au Cocceius Isagoras que je vous ai montré et qui lui réserve successivement, parce qu'il y a un peu de mouvement, la place n'est pas réservée à vie dans le théâtre de Larissa, un Cocceius Ménécrates qui lui aussi met son nom sur les gradins du théâtre, cette fois sur les fronts et non pas sur les sièges directement. Je ne rentre pas dans les détails. On sait par ailleurs que la fille de ce Ménécrates s'appelle Dexo. Vous en avez ici le monument funéraire, qui est lui aussi inédit, ce que nous savions déjà par une liste d'affranchissements que vous avez par-dessous. Par cet ensemble nomastique, Ménécrates, Dexo, Isagoras et tout cela, on sait, on peut donc supposer, sans trop s'avancer, que les Cocceï se sont alliés à une autre famille de premier plan de Larissa. Et le nom Isagoras l'indique clairement parce qu'il est porté, là encore une fois, par une seule famille à Larissa, pour autant qu'on le sache. Et la chose est de plus en plus sûre à mesure que la documentation se multiplie. Un contemporain de Cocceius Lycus s'appelle Isagoras, fils d'Isagoras, et il a été stratège fédéral à quatre reprises. Donc là aussi, il fait partie de ces familles qui interviennent personnellement en cas de crise, de difficulté de recrutement pour les magistratures les plus importantes. Un autre Isagoras est connu une cinquantaine d'années plus tôt comme interlocuteur d'Apollonius de Tyane,
dans les années 90. Et les noms Parmenis et Ménécratès font partie de cette même tradition familiale. Une Parmenis, fille de Ménécratès, affranchie un esclave dans le dernier tiers du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et on peut faire remonter cette autre famille de Larissa, Isagoras, Ménécratès, etc., jusqu'à la fin du 2e siècle avant Jésus-Christ. C'est une famille qui a fourni deux personnages très importants qui ont été honorés par l'Amphictyonie à Delphes et par la cité de Delphes, peut-être pour leur rôle lorsque les Romains ont repoussé l'invasion des Scordisques dans les dernières années du 2e siècle avant Jésus-Christ. Donc une famille, là encore une fois, de premier plan. Un dernier affranchissement plus récent que vous avez sous les yeux, qui date un peu, environ de l'année 200, nous sommes juste avant la constitution antonine, nous rend compte de la stratégie d'un Cocceius Aristophilos Phoibidas, fils de Lycos, alias Isagoras. Là, on est évidemment dans ces stratégies onomastiques qui vont tendre à préserver l'alternance des noms Aristophilos et Lycos, mais aussi celle d'Isagoras et Ménécratès par ailleurs, deux familles qui souhaitent conserver évidemment leur identité. Ce recours à des surnoms se retrouve aussi chez les dames. Reste un Cocceius Licus là-bas en haut à droite, qui apparaît lui aussi dans les gradins du théâtre, mais dans les premières années du 3e siècle après Jésus-Christ, donc dont j'estime, voilà l'ensemble des places des Cocceii, dont j'estime qu'il appartient à une branche collatérale. Je pense que la version évidemment écrite sera plus simple à suivre avec cette démonstration excessivement rapide. Alors, les trois Cocceii dont j'ai parlé tout à l'heure, Cocceius Isagoras, Cocceius Lycos et Cocceius Ménécratès, réservent un nombre important de places au théâtre parmi les surfaces les plus importantes. Mais la chose n'est pas aussi spectaculaire qu'on pourrait le croire. Une douzaine de places pour Cocceius Isagoras, deux fois, successivement, évidemment, pas au même moment. Et même chose pour celui que je considère comme son petit cousin, Cocceius Lycos. 25 à 30 personnes pour Cocceius Ménécratès. La chose que vous avez ici en bleu, de manière successive, qui est, on va dire, le cas le plus important de réservation de ces places au théâtre, la chose s'expliquant très vraisemblablement parce qu'il est lui-même le grand prêtre et agonothète du Koinon, de Thessalie, qui, avec deux collègues, a mis en œuvre d'importants travaux d'aménagement du théâtre pour protéger les spectateurs lors des combats de gladiateurs que j'évoquais tout à l'heure, vers 180 avant Jésus-Christ, avec notamment Marcus Aurelius Olympiodoros, qui est le père du sophiste Hippodromos, ce qui permet de caler la chronologie ici. La dédicace qui a été gravée tout au long du Baltéus de cette balustrade est en cours d'étude parce qu'elle est réduite pour l'instant à l'état de puzzle. La question se pose évidemment, et je ne peux pas y répondre tout de suite, quels sont les contours des groupes qui sont présents dans le théâtre ici, entre cousins, familles organisées autour d'un chef de manière successive, tout cela n'est pas encore très clair. Dans le cas des Cocceii, s'ajoutent en plus trois petits topoi de petite dimension qui restent à étudier et qui vont permettre de poser la question des affranchis et des alliances, on va dire, qui ne garantissent pas, on va dire, le maintien du statut de citoyen romain. Alors voilà donc les trois petits topoi, beaucoup plus modestes évidemment. Nous allons voir très rapidement. Je ne reviens pas sur le premier d'entre eux, Cocceius Polyxenos, qui est en fait ici au milieu. Vous voyez un peu l'entrelacement de toutes ces inscriptions. Ni sur celui de Cocceius Didymos, vous verrez ça dans la version écrite, je pense qu'on peut les rattacher à cette même famille. Et s'ils sont peu mentionnés dans la documentation, c'est aussi possiblement parce qu'ils perdent le bénéfice de la citoyenneté romaine dès la génération qui suit leur naissance, faute de pouvoir contracter évidemment un mariage reconnu par le droit romain. Ainsi, la stèle funéraire d'une... Où est-elle ? Voilà leur remplacement dans le koilon. La stèle funéraire d'une Cocceia Aristonicae le montre assez clairement. Son époux s'appelle simplement Aphrodeitos. La pierre est perdue, elle a été publiée dans les IG, mais la formule de salutation fait pencher pour une date dans le 2e siècle après Jésus-Christ. On possède quelques exemples thessaliens, notamment au 2e siècle après Jésus-Christ,
En fait, on en possède un et demi. Donc, soyons honnêtes, j'ai au moins un parallèle. Donc, d'un fils de citoyen romain auquel n'a pas été transmise la citoyenneté romaine. Je pense notamment à un trésorier de la cité de Kyrétiae, la petite cité de Kyrétiae, qui s'appelle Eutropos, fils de Flavius Diogenes. Il n'est pas un Flavius lui-même. C'est le cas ici de cette Coqueia, des enfants, très probablement des enfants de cette Coqueia, qui a épousé un pérégrin et dont les enfants seront sans doute pérégrins. Donc on ne peut plus les retrouver dans la documentation par le gentilis Coqueius. Nos Coqueius ont eu tendance sans doute à se marier avec des notables locaux non pourvus de la citoyenneté romaine et en perdre le bénéfice à moins d'une intervention personnelle du gouverneur ou de l'empereur, évidemment. C'est peut-être le cas de l'épouse de Coqueius Lycos dont je parlais tout à l'heure, qui explique l'irruption de la famille des Agoras, qui, elle, n'a pas la citoyenneté romaine. Donc toutes ces choses ne sont qu'hypothétiques pour l'instant, mais il y a, ce problème se pose de manière assez clairement pour la société thessalienne, puisque le vivier de citoyens romains en Thessalie est extrêmement limité. Les Coqueii étant d'ailleurs, on va dire, sans doute parmi les premiers Thessaliens à avoir obtenu, quelque part vers 70, la citoyenneté romaine. Je passe un petit peu vite. Le mouvement est donc d'obtention de la citoyenneté romaine est amorcé, comme souvent en Grèce, à partir des Flaviens, mais elle reste très marginale. Et pour le montrer de manière assez claire, les quelques grands prêtres du culte impérial qui sont connus pour le deuxième siècle, même pour le milieu du deuxième siècle et la deuxième moitié du deuxième siècle après Jésus-Christ, n'en sont pas pourvus, à l'exception de Marcus Aurelius Olympiodoros, dont j'ai parlé tout à l'heure, je pourrais citer quatre autres noms, qui lui a obtenu, sous Marc Aurèle, cette citoyenneté, alors qu'on sait pertinemment qu'il est excessivement riche et qu'il aurait pu sans doute en faire la demande bien avant. Avant la réforme de Caracalla même, et la constitution antonine, les citoyens de Larissa n'hésitent pas à réserver tout un emplacement pour des Aurelioi, sans doute parce qu'il n'y a absolument aucune ambiguïté pour reconnaître la Aurelioi. Tout court, il n'y a pas d'ambiguïté pour reconnaître la seule famille de Larissa qui était pourvue de la citoyenneté sous le nom gentilis de Aurelii. Et il s'agit sans doute de la famille d'Olympiodoros et d'Hippodromos. Il était donc nécessaire pour les Coqueii de se tourner vers l'extérieur de la Thessalie pour conserver, dans une tentative de stratégie de conservation de cette citoyenneté romaine et de conservation de cette place dans une élite romanisée. Ils ont l'air de repousser un peu. L'exemple de la fille de Coqueia Parmenis, la fille elle-même de Coqueius Lycos, est instructif à ce titre. Elle s'appelle Flavia Mnasso et elle a épousé un Tiberius Claudius Pierion, qui n'a pas été repéré par les catalogues prosopographiques sur la Macédoine, mais dont je pense qu'il s'agit d'un des membres d'une des tout premières familles de Macédoine. Évidemment, le personnage le plus connu, qui a reçu le titre honorifique de Protos Macédono, c'est un Tiberius Claudius Pierron de la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Nous sommes ici presque un siècle plus tard. Donc il ne s'agit pas de l'identifier avec lui, mais il s'agit d'un descendant, par une branche, qui reste le stéma reste à mettre en place, il n'est pas encore certain. Ce qui est certain, c'est que Flavia Mnasso est allée vivre, elle, en Macédoine, à Beroia, à Veria, alors que la mère Coqueia Parmenis, elle est restée à Larissa, où elle fait ériger cet hôtel honorifique en l'honneur de sa fille, qui porte le nom complexe de sa petite fille, pardon, qui porte le nom complexe de Tiberia Claudia Lailania Caepiana, et qui est fille d'un Tiberius Claudius Pierion et de Flavia Mnasso, qui est la fille de Coqueia Parmenis. Ce qui est étonnant dans cette inscription, c'est ce qui a été rajouté au-dessus de la moulure, comme une sorte de remords ou de regrets, les savoirs, et qui précise que la jeune fille honorée ici est Sungenida, est liée par des liens, restons un peu vagues, à des Syncleticoi et à des Upaticoi, donc à une famille de consulaires et de sénateurs et même de consulaires, plus exactement. Mais en revanche, Coqueia Parmenis, restée à Larissa et la famille des Coqueii, n'appartiennent pas à cette élite provinciale et sénatoriale. Ils ne sont que tangents à cette élite, à cette grande élite sénatoriale. Deuxième question posée par les quelques noms de Coqueii qui nous restent, c'est celle des affranchis.
voilà, les Tibéri Claudii de Véroïa qui se sont alliés à Flavia Amnaso et à la famille de Coquea Parmenis. Si je vous laisserai regarder ça plus précisément. Alors, il reste donc à prendre en considération deux personnages seulement, un qui s'appelle Coqueius Iulius et un qui s'appelle Coqueius Alexandros, vraisemblablement, la fin du nom est mal conservée. Les inscriptions sont assez vilainement gravées, elles sont sans doute très récentes, et la question qu'on peut se poser est la suivante, est-ce qu'il s'agit d'une branche mineure de cette famille des Coquei, ou est-ce qu'il peut s'agir d'affranchis ou d'une branche issue d'affranchis des Coquei qu'on retrouverait ici? Ça a été évoqué à deux reprises ce matin déjà, que cette place des affranchis dans la société grecque du IIe siècle après Jésus-Christ, qui reste à mon sens à étudier, et je ne renverrai pas à la lettre de Marc Aurèle aux Athéniens, qui met en place un système pour restreindre la capacité civique de ceux-ci. C'est donc un problème que ces affranchis, que l'on voit occuper des positions au sein de l'élite politique de ces cités grecques. Et si, dans la société athénienne, les Athéniens, les affranchis peuvent paraître nombreux à l'empereur Marc Aurèle, alors que celle-ci est supposée plus libérale et plus ouverte que d'autres, qu'en est-il en Thessalie ? Alors, à mon sens, je vous le livre tout de suite pour qu'on en finisse, le résultat des suppositions qui sont les miennes, je pense qu'il ne peut pas s'agir d'affranchis parce que le statut prévu pour les affranchis par la loi thessalienne, à l'époque romaine tout autant qu'à l'époque hellénistique, est particulièrement contraignant. Il prévoit une dépendance directe de l'affranchi par rapport à celui qu'on n'appellera pas son patron, mais en tout cas celui qui était généralement son ancien propriétaire, dépendance qui est transmissible aux héritiers et qui ne pouvait être défaite que par une mention explicite lors de l'affranchissement, où il était précisé qu'un tel ne deviendrait l'affranchi de personne. Et le tout étant encadré par un nomos, une loi fédérale, très clairement. À Larissa et dans toute la Thessalie, tous les affranchis, à la différence de la plupart du monde grec, sont désignés comme apéloteros de quelqu'un, hein, dans les inscriptions, qu'elles soient funéraires, dans les affranchissements eux-mêmes, ils peuvent être propriétaires d'esclaves, ou dans n'importe quel type de document, ils sont toujours apéloteros ou apelotera de quelqu'un, sauf mention explicite, comme je l'ai dit, dans l'affranchissement, ce que nous ne connaissons qu'à deux reprises dans la documentation. Il est donc très peu probable que les Coquei aient affranchi leurs esclaves de manière justa, par une manumissio justa, qui aurait fait de leurs affranchis deux futurs citoyens romains, malgré, on va dire, les précautions qu'avait prises Auguste pendant son principat, pour, on va dire, minorer la capacité des affranchis et la capacité d'affranchir aussi. Ça me semble tout à fait improbable. Les Coquei, les membres de la famille des Coquei, apparaissent, je ne vous remonterai pas ces listes d'affranchis, dans les listes d'affranchissement, toujours nommés, ou plutôt plus exactement, jamais nommés avec leur gentilice, jamais nommés à la romaine, et seulement avec leur cognomen. Ils étaient forcés, d'une certaine manière, en tout cas leurs affranchis étaient forcés de s'enregistrer et de payer la taxe auprès de la cité. On peut très largement douter que leurs propriétaires se soient déplacés jusqu'au gouverneur pour accomplir une manumissio justa qui aurait fait en sorte que Rome reconnaisse le statut d'affranchi de droit romain à ses anciens esclaves. À mon sens, et je finirai là-dessus, le nom de Coqueius Iulius et Coqueius Alexandros ont été gravés au dernier moment où on a utilisé le théâtre, où on a gravé des noms sur le théâtre, c'est-à-dire après la constitution antonine, où ces questions de statut des affranchis ne se posaient plus, en tout cas dans les mêmes termes. En conclusion, puisque je fatigue, je crois qu'il n'y a qu'une famille de Coquei à Larissa, qui est issue manifestement de l'élite civique de Larissa, d'une élite riche, qui a fourni au moins un gymnasiarque au IIe siècle, mais une élite de deuxième rang. Elle réussit par un système d'alliance locale que nous ne pouvons pas reconstituer, à accéder à l'élite politique fédérale sous l'Empire, et elle va réussir aussi à conserver pendant un temps assez long sa capacité à se maintenir dans cette position. Elle fournit à chaque génération un stratège fédéral qui est choisi parmi les synèdres thessaliens nommés à vie.
Et à la fin du premier siècle, son parcours est sanctionné par l'octroi de la civitas romana pour des raisons que nous ignorons, mais peut-être pour son implication sous la forme embryonnaire du culte impérial, tel que je le disais tout à l'heure. L'octroi de la citoyenneté romaine la pousse à chercher des alliances pour conserver ce statut, ce que ne peuvent accomplir toutes les branches qui en sont issues, c'est cette coqueia aristonicae dont je parlais tout à l'heure. Elle arrive à s'approcher de l'élite provinciale en s'alliant avec des protoïs de Macédoine, mais ne se hisse pas jusqu'à l'élite sénatoriale, à laquelle elle est malgré tout liée de loin par un système qui reste, avec une distance qui reste à définir. Contrairement à d'autres, la famille n'a pas fait le choix de la promotion par mobilité géographique. Il ne semble pas qu'elle ait, il est même certain, étant donné l'importance de la documentation, qu'elle n'a pas cherché à s'installer ni à Delphes, ni à Athènes, ni à exercer aucune des magistratures ici. Voilà donc la Thessalie d'époque romaine, qui fonctionne en circuit fermé, ou presque, à de rares exceptions près. La seule exception, c'est donc ce sophiste Hippodromos, qui s'est installé un temps à Athènes, mais dont Philostrate nous précise bien qu'avant le terme même de sa charge, de la chaire de rhétorique à Athènes, qu'il l'a abandonné, qu'il est retourné élever ses chevaux et gérer ses domaines. On retiendra d'ailleurs que ce seul cas, on va dire, d'ascension par mobilité géographique concerne quelqu'un qui ne fait pas le choix de l'élite sénatoriale ou impériale, mais celui, on va dire, de la païdéia de l'hellénisme le plus conservateur qui soit, à mon sens. Je vous remercie. I'm sorry. The first,
No.
Alors justement, enfin si je peux répondre, parce que je crois justement, le lien se fait au IIIe siècle avec la famille Théréo, Béoto, Athéno, tout ce que tu veux, et qu'on retrouve aussi en partie à Delphes, hein, et à l'Amphictyonie, mais que justement c'est l'exception pour la Thessalie, c'est la descendance d'Hippodromos qui lui s'est installé à Athènes, on ne sait pas exactement s'il a pris pour épouse une Athénienne, c'est tout à fait possible, et je pense que c'est la suite qui explique tout ça, même si lui est revenu gérer et administrer ses domaines. En revanche, mes coquilles à moi n'ont pas accédé à ça. C'est ça qui est étonnant. Vraiment, c'est la mouche sur la table basse en verre, et qui ne peut pas, et voilà, tout le monde ne peut pas réussir. Et je crois que c'est vraiment très étonnant que ce soit... Ne pas réussir ne cherche pas vraiment non plus à réussir, parce que les Thessaliens sont riches, il n'y a pas de problème. Très riches. Ouf, si vous saviez. Donc là, il y a vraiment... Voilà, un très clair refus de la romanité, alors qu'ils ont été les premiers pris en charge par Rome en 196. Hein. Flamininus organise tout ça, et ensuite, ça roule. Ce sont des alliés, des vieux alliés. Et en revanche, en Thessalie, tout ce que tu évoques existe à Hypata, sans aucun problème, qui, eux, part dans tous les sens, jusqu'à arriver au rang sénatorial avec la famille de Favius... Il y a aussi des identités locales, la Thessalie conservatrice refermée sur elle-même, et puis Hypata, la petite cité qui s'est développée par proximité avec l'Amphictyonie, et par le lien avec Athènes, et ensuite qui monte jusqu'au niveau sénatorial et qui a... manifestement, ça c'est difficile après à savoir précisément, mais dont on voit l'alliance avec des gens de Scarphée, avec vraiment d'abord la région de Grèce centrale, après Athènes, après le monde. Je ne peux pas encore à dire beaucoup de choses à dire, mais ça
Oui, je pense qu'ils sont morts démographiquement. Hein. Il y a l'adoption. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le domestique finit par... il y a ce shift qui... Pour moi, il me semble assez étrange, mais je n'ai pas un argument. Et ce qui me semble aussi étrange, c'est le statut des affranchis. Alors, quand on affranchit un esclave, on l'affranchit, il reste avec son patron pour un certain temps, mais il ne peut pas être affranchi à ses descendants, surtout, c'est bizarre. Dans le monde romain, les affranchis, peut-être, ils sont encore dépendants. Ils sont des... Ah oui. Non. Alors, c'est que je me suis mal exprimé. C'est-à-dire que c'est l'affranchi, l'esclave qui a été affranchi jusqu'à la fin de sa vie à lui. Et le statut est transmissible aux héritiers du propriétaire, du manumissor, si le manumissor décède. Mais pas, le statut n'est pas transmissible aux enfants de l'affranchi. Non, c'est moi qui ai parlé trop vite. Ça, c'est impossible. Non, c'est impossible. Le problème, c'est qu'après, on ne les retrouve pas. Dans la documentation, malheureusement, il n'est pas possible de suivre, et ça, ça serait vraiment intéressant, de voir un affranchi, et quelques générations plus tard, un notable. Et on ne l'a pas, malheureusement. Parce que... Oui, non, je n'ai pas donné de réponse vraiment définitive. Ça me semble peu probable, dans la mesure où, en tout cas, encore au IIe siècle, jusqu'à la Constitution antonine, il y a très peu de citoyens romains, et même des latins juniens ou des affranchis dont les fils vont devenir citoyens romains. Ça ne peut que poser un problème dans une société qui me semble extrêmement conservatrice. Mais encore une fois, c'est, je crois, une démonstration circulaire, parce que c'est l'impression que j'ai, et je vais pousser la documentation dans ce sens-là. Je n'ai pas de... Je pose la question et j'appelle à une étude de la place des affranchis dans les sociétés grecques du IIe siècle. Parce que à Athènes, si on n'avait pas la lettre de Marc Aurèle, on ne saurait pas que c'est un vrai problème. Pour lui, en tout cas. Yes. Yes, neto idiona.
it's not really stable because they have to change once every 10 years, maybe, or 20 years. This Cocceius isagoras I told you about, he has two topoi in his life, so it's not the abu. Yeah, in the same part, yes, yes. This is a class struggle, maybe. But there is, in the theater, approximately 10 topoi for public slaves, for demosioi. So the elite there is... The elite is not the only one to have a reservation. So next to the elite. Yes. I think that the Thessalian society is that... conservative. It's so conservative that they can allow people, which everybody knows the status is a lower one, to sit next to them. It's not a problem. It's so obvious for them, I think. This is my hypothesis right now. And you hold us for this period.